droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en cette fête de la Pentecôte, appelons le souffle de l'Esprit Saint sur nous-mêmes, sur l'Église et sur le monde. Que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père. Que ton cœur entende la voix de tes enfants, Seigneur. Que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père. Que ton cœur entende la voix de tes enfants. Seigneur Jésus, envoie ton esprit de sagesse et d'intelligence sur les responsables politiques et religieux. Donne-leur de construire un monde de communion et de libérer des hommes des atrocités de la guerre, de la faim et de la pauvreté. Nous te confions particulièrement les dirigeants du Proche-Orient. Aide-les à répondre à l'appel du pape François pour abattre les murs de la haine et emprunter les voies du dialogue et de la paix. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père. Que ton cœur entende la voix de tes enfants. Seigneur Jésus, envoie ton esprit de force sur toutes les communautés chrétiennes en ce jour de Pentecôte où tu libères tes disciples de la peur. Donne-leur le courage d'annoncer l'Évangile en tout lieu. Nous te confions les communautés chrétiennes persécutées dans le monde, particulièrement la communauté chaldéenne au Proche-Orient. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père. Que ton cœur entende la voix de tes enfants. Seigneur Jésus, envoie ton esprit de piété et de confiance sur ton Église, qu'elle puisse cultiver l'amour de Dieu dans la prière. Tu nous appelles chacun à te suivre. Nous te confions plus particulièrement ceux qui seront ordonnés prochainement prêtres ou diacres en Île-de-France. Donne à chacun de nous la force de se mettre en route pour la mission de l'Église. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi. Que ton cœur entende la voix de tes enfants. Seigneur Jésus, envoie ton esprit de conseil sur tous les jeunes du Frat. Aide-nous à prendre les bonnes décisions pour notre vie. Fais lever dans notre génération de véritables témoins de la foi. Nous te confions en particulier Cassandra, Bonheur et William, baptisés hier soir lors de la veillée. Nous te rendons grâce pour l'Esprit que tu nous envoies